Le 18 août 2021, je suis en train de travailler, je reçois un DM. Je vois Sine Brazil, je suis comme m'envoie un message, elle me dit « Steve, ça fait 3 mois que je recherche pour une auto, je suis plus capable. » Salut, moi c'est Cynthia. Je cherche comme pour rent une voiture de luxe. Quelqu'un m'a référé à toi. Il y a une de tes followers justement qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit justement que t'étais la personne. Can you hook me up? Let me know if you can do something. Thank you. She's paying like thousands of dollars on Uber depuis les 3 derniers mois. Ce qui fait absolument aucun sens. Je t'écoute, c'est ça. Prenons le temps justement de se parler. Puis tu vas voir justement, je vais être capable de te livrer la marchandise. So, comme de fait, on s'appelle au téléphone. On fait une session brainstorm. Elle me raconte toute sa situation. Toutes les personnes qu'elle connaissait, qu'elle dit qu'elle connaissait, que c'était leurs amis qui travaillaient dans les concessionnaires, ne sont pas capables de livrer la marchandise en 3 mois. Elle regardait la Mercedes CLA 2022 puis Audi Q5 2022. Quatre jours plus tard, j'arrive devant chez elle. Théo puis moi, on arrive devant chez elle. Puis on amène les deux autos. Sa réaction était priceless. Parce qu'elle ne s'attendait pas, un, qu'on arrive puis qu'on livre la marchandise aussi rapidement. Puis que comme les deux autos se retrouvent chez elle, you know? Fort, fort, fort. Wow. Pour vous mettre en contexte, nous autres chez Costauto, la manière qu'on fait les services à domicile, on ne met pas vraiment d'emphase sur les features de l'auto. Comme les clients, si les clients justement ils ont des questions, on y répond, mais c'est comme vraiment, on est là vraiment pour mettre l'emphase sur le fun de tester les voitures, puis that's pretty much it. So, on commence justement avec la Mercedes CLA. I'm ready if you're ready. I'm ready. Fait que tu vois, viens Léo, on va faire le tour. Elle met son beat au maximum, you know, on bump. Elle feel la Mercedes, parce que la Mercedes, justement, it's different. C'est une nouvelle auto. J'ai conduit plusieurs de Audi, là, je suis comme... On dirait que t'es tanné. Ça, mon choix est fait, là. Eh hey, ben non, tu peux pas dire ça comme ça, là, c'est ça, come on! Ça va? Non! On finit d'essayer l'auto, elle a du fun, on danse, whatever, you know, she's happy. On ramène la CLA, on embarque dans la Audi. Oh my god. T'as vu? Je te l'ai dit. Là, on a une autre voiture. Ça va être dur. Tu vas même te monter aussi un peu si tu veux. Ouais. Tu vas comme ça. Let's go. Dans la Audi Q5, elle a du fun, mais on dirait qu'elle est comme déchirée par rapport au choix parce que comme elle a déjà eu une Q5 auparavant, right? Fait que du fait justement qu'elle avait déjà une Q5 auparavant, ben ça fait en sorte que comme elle sentait qu'elle voulait avoir de quoi de différent. Fait que tu sais, on la voit, elle penche beaucoup pour la Mercedes, tu sais. Qu'est-ce que ton cœur te dit, genre? Ah, je sais pas. Je te jure, je suis vraiment partagée là. C'est quoi? C'est quoi ta opinion? Moi? Ouais. Who am I to give you an opinion? Moi, personnellement, je trouve que, tu sais, vu qu'elle a un enfant, une petite famille, la Audi va être beaucoup plus pratique en tant que telle, vu qu'on a un VUS. Donc là, elle embarque dedans. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect, justement, tu le vois dans son non-verbal, que c'est déjà familier. Je te dis ça comme ça. Si j'avais le choix entre les deux ont les avantages et leurs désavantages. La CLA, c'est une auto, c'est une belle shape. Fait que ça, c'est sûr que tu vas avoir une conduite un petit peu plus sportive, on s'entend. Le VUS, moi, personnellement, je le trouve plus pratique. À la fin, justement, des test drives, est comme un peu déchiré, justement, par rapport à ça. Ouais. Le look ou le déjà-vu? Son test drive, sont terminés, elle part, elle s'en va réfléchir. J'adore l'expérience, by the way, aussi, là, c'est comme c'est... Je suggère à tout le monde. Thank you! C'est super, c'est parce que t'as même pas encore reçu ton auto puis tu me dis ça, genre, tu sais. Thank you so much. Thank you, man. Wow. J'ai essayé ça chez moi, là, 2 voitures. Back à back. Mais j'adore les deux, là, va falloir que je pense pour elle. Ouais. Prends le temps de réfléchir là-dessus. Moi, de mon côté, je vais t'envoyer ça par courriel, puis comme, genre, okay. Tu dors là-dessus, puis comme, tu me reviens avec ce que tu veux. Je pense 2 jours plus tard, elle m'arrive, elle me dit « Steve, moi, je veux que tu me négocies la Audi Q5. » Allô?
Pour vous mettre en contexte, guys, 2021 avec la pandémie, faites le tour des concessionnaires. Il n'y a pas d'auto présentement. Nous autres, de notre côté, la cliente, elle a sauvé 5 000 $. Qui a 5 328 $ de sauvé sur la Q5. Thank you so much. Et en plus de ça, elle est revenue du Portugal. 4 jours plus tard, elle a son auto. Pour nous, chez Constauto, chaque livraison représente une célébration. It's worth to celebrate. On arrive, la première des choses, c'est que vu que c'est une livraison justement VIP à domicile, premier endroit qu'on s'en va au Party Expert, on va acheter justement ce qu'on a besoin pour faire la célébration. Ensuite, après ça, je m'en vais chez le concessionnaire, je vais voir l'auto. L'auto est de toute beauté. Car is brand new. It has 16 kilomètres. On s'assure vraiment que, évidemment, le contrat est en bonne et due forme. Donc, il n'y a pas des extras d'enfants qui auraient été rajoutés ou quoi que ce soit sur le prix du véhicule. Et ensuite, on s'en va livrer l'auto à domicile. Je peux juste mettre les initiales en bas de chaque page. Là. Ensuite, go! L'auto est devant chez Cynthia. Cynthia capote. Elle n'arrive pas à y croire. Congratulations! Pandémie, manque d'inventaire. Elle me dit qu'elle connaît plein de monde dans les concessionnaires. Ça fait 3 mois qu'elle magasine. Puis elle n'a pas d'auto. Puis elle a payé des milliers de dollars en Uber pour tous ses déplacements. Elle contacte mon site auto. 2 weeks later, elle a une auto. Elle a sauvé 5 000 $. Elle a eu rien à faire. I mean, that's a game changer right here. Quand tu m'as contacté, parce que j'avais mis des stories, tu te rappelles, c'est comment, je cherche une nouvelle voiture, nanana, tu m'as contacté. Donc là, j'ai été contacté back. Donc là, j'étais comme, OK, c'est quoi le service, nanana, qu'on se tente tout, c'est vraiment comme, OK, je vais chercher ta voiture, je vais négocier pour toi, je vais te ramener à la maison, ta voiture. Je suis comme, OK, ça c'est spécial. Pour vrai, c'est comme, c'est du jamais vu. Ouais. C'est comme, wow, comme pour de vrai, là, comme service. Fait que là, c'est comme on a négocié, nanana, j'ai parti en voyage, revenu, puis... Toute une péripétie. puis tout était comme... Man, j'ai pas eu de casse-tête. Pour de vrai, j'ai pas eu de casse-tête. Puis c'était juste comme, tu m'as livré ma voiture à la maison, comme... C'est comme... J'ai même pas été comme un concessionnaire à rien. Là, avant comme... que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Revenu comme, OK, ma voiture, c'est chez moi. Puis t'as amené la voiture, t'as amené les 2 options qu'on avait. Ouais. Pour faire le test drive. Hein? Les test drive, ouais. Test drive. Puis je l'ai fait, puis tout, on jasait. Puis pour de vrai, t'étais comme tout le temps là. À chaque fois que je t'appelais, j'avais des doutes. Je posais comme plein de questions. Souvent, t'étais là pour me répondre, puis c'est comme vraiment super spécial pour merci de vrai beaucoup. Là. Je suis vraiment super happy. C'est moi qui te remercie pour vrai. Merci pour d'avoir vrai. Pris le temps de me contacter, de m'avoir fait confiance. Absolument. Ici. Comme je le dis tout le temps, les gens qui magasinent chez Constauto, ils achètent leur voiture ou ils louent leur voiture avec nous. Neuf, of course. Autrement et simplement, that's what we do. Cut. Take care, guys. On se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Karim.